Au départ de l'aéroport d'Alger, il suffit de quelques kilomètres pour gagner le centre-ville. Les bagages à peine déposés à l'hôtel, nous partons à pied pour une première découverte de la ville. Une descente par les jardins en terrasse du Parc de la Liberté, inauguré en 1915, récemment restauré et très apprécié des Algérois, et nous voici au cœur de l'ex-ville coloniale, sur l'ancienne rue Michelet. Des immeubles haussmanniens en pierre de taille, avec moulures et corniches, et de beaux balcons en fer forgé, s'élèvent de part et d'autre de l'avenue. Ils ont un succès fou, hein? Et gratte, gratte, c'est un monde où ne va plus si bon. Certains de ces immeubles, restaurés, ont retrouvé leur lustre d'origine. Mais hélas, nombreux sont ceux aussi qui n'ont pas été entretenus. L'église Saint-Charles, achevée en 1903, est devenue la mosquée Al-Rahma. Le tunnel, surmonté de l'université, débouche sur la place Maurice-Audin. Arrêté, puis disparu en 1957 pour avoir embrassé la cause de l'Algérie algérienne. La nuit commence à tomber. Les lumières s'allument peu à peu et illuminent le quartier. De riches immeubles haussmanniens à arcades s'étirent le long du port. Au loin, on peut apercevoir la grande mosquée d'Alger. Une wilaya est une division administrative.
il y a 58 vilayas en Algérie. Dans le port, ce ferry va sûrement bientôt appareiller pour Marseille. Et nous gagnons le restaurant situé sur le port. Aujourd'hui, nous quittons Alger. La faculté de théologie dépassée, nous partons vers l'ouest en direction de Cherchell. Comptoir phénicien au 4e siècle avant Jésus-Christ sous le nom de Yol. Plus tard, ville numide. La ville, devenue romaine en 25 avant Jésus-Christ, s'appelle Césarée de Mauritanie. Elle est dotée de tous les édifices publics typiques d'une ville romaine. Les vestiges archéologiques de Cherchell, sculptures et mosaïques, proviennent des nombreuses fouilles effectuées en différents points de la ville. Ils constituent un patrimoine d'une grande valeur. La place des Martyrs, devant le musée, plantée de bel ombras, contient d'autres nombreux fragments d'ouvrages antiques. Là se trouvait aussi l'ancien forum. Depuis la place, on a de beaux panoramas sur le phare et le port. Le théâtre antique du 1er siècle après Jésus-Christ est aujourd'hui au cœur de la ville moderne. Il n'a jamais été enseveli, aussi a-t-il subi de graves dégradations. Il a été modifié au 2e et 3e siècle pour les combats de gladiateurs. Le marché traversé, nous arrivons au terme de l'Ouest, 2e siècle après Jésus-Christ. C'est le seul des trois établissements de ce type aujourd'hui visible.
haut de 35 mètres, l'aqueduc a été construit à l'époque romaine pour acheminer l'eau de la montagne vers Cherchel. Nous voici à Tipaza. Il est l'heure de déjeuner. C'est le moment de profiter des restaurants de grillade de poisson installés sur le port. Au 1er siècle après Jésus-Christ, les Romains choisissent ce site proche de Césarée pour construire Tipaza, qui devient dès le 2e siècle une importante colonie romaine. Le site archéologique actuel possède des vestiges phéniciens, romains, paléochrétiens et byzantins. Derrière l'amphithéâtre, on découvre deux temples de la fin du 2e siècle, début du 3e siècle. Le temple anonyme et le nouveau temple. Les deux axes principaux, Decumanus et Cardo, se croisent au niveau du temple. Le dallage est vraiment bien conservé. Le Decumanus conduit aux nymphées, une fontaine sûrement splendide reliée à l'aqueduc principal. Le théâtre est un théâtre de plaine. La grande basilique chrétienne date du 4e siècle. La vue sur le site et la baie est extraordinaire. On aperçoit la plus grande maison du site, la Villa des Fresques, la plus riche aussi, où nous serons dans un instant. Non loin de la basilique se trouve le baptistère. On peut voir quelques vestiges de la muraille d'enceinte qui était longue de 2 km. Dominant l'ensemble, le mont Chawar, d'où provient l'eau alimentant Cherchel et Tipaza. Une vaste nécropole, d'abord punique puis chrétienne, s'étend à travers la végétation sauvage. Avec le mont Chawar en toile de fond, une stèle rappelle l'attachement d'Albert Camus aux ruines de Tipaza. On peut penser que dans ces fosses, à proximité des thermes, était fabriqué le garum. La Villa des Fresques a été construite au IIe siècle.
On peut y voir les restes de la mosaïque qui ornait le sol de la salle à manger. Nous empruntons le cardo, autrefois bordé de boutiques, pour regagner la sortie. Entre Cherchel et Tipaza, classé par l'UNESCO en 1982, ce monument circulaire de 63 mètres de diamètre a servi de sépulture aux membres de la famille royale. Sa construction remonterait à 40 après Jésus-Christ, à l'époque de la prise du royaume de Maurétanie par les Romains. La vue est grandiose sur la plaine fertile de la Mitidja et le mont Chaouar. Après avoir quitté Alger en direction du sud-ouest, la ville de Médéa dépassée, nous arrivons en pleine montagne. C'est là que se trouve le monastère de Tibérine. En 1938, quelques frères ont fait l'acquisition d'un immense domaine vinicole et y ont fondé un monastère. Bien vite, ils se sont séparés d'une grande partie des terres, ne conservant que celles dont ils avaient besoin. Pendant des décennies, ils ont vécu en parfaite harmonie avec la population, cultivant ensemble, soignant les malades, éduquant les enfants, faisant du lieu une maison de prière pour tous les peuples. Jusqu'à ce jour funeste de 1996, où 7 des 9 moines ont été enlevés et retrouvés assassinés quelques semaines plus tard. Depuis 2016, la communauté du Chemin Neuf assure la gestion et les visites des lieux. Dans des grandes cuves en pierre, c'est pour ça que vous avez encore les morceaux de mur qui sont là, vous avez des grandes cuves en pierre comme ça, jusqu'au bout du bâtiment, c'est là qu'ils mettaient le raisin et qu'ils laissaient commencer le jus de raisin, etc. L'église avait été prévue trop grande. Il n'y a eu que 9 moines qui ont préféré prier dans la chapelle. Depuis le parvis de l'église, la vue est splendide sur les montagnes environnantes. Retour à Médéa, à 900 mètres d'altitude, et repas chez l'habitant. Après le déjeuner, nous partons arpenter les rues de la ville.
Le musée des arts et traditions populaires est installé dans différentes salles d'un palais bâti au XVIe siècle à l'époque ottomane. De nombreux beys ont occupé ce lieu. Le musée fait découvrir le patrimoine rural et traditionnel de l'Algérie, apporte des informations intéressantes sur les costumes, les activités, les arts, etc. De nombreuses cigognes sont installées dans la ville, ici sur les restes des fortifications ottomanes. Une partie de la route du retour longe l'oued Chifa. Au ruisseau des singes, partie la plus pittoresque des gorges, de nombreux macaques ont élu domicile. Les deux jours qui viennent vont être consacrés à la visite d'Alger. Le quartier de Bab El Oued se développe à l'arrivée des Français. Deux télécabines
permettent de relier les différents niveaux. Bab El Oued est un faubourg populaire, ouvrier, assez pauvre, où vivent d'abord des Espagnols travaillant aux carrières, puis des Italiens, des Maltais, des Français après la Première Guerre mondiale, des Juifs. La place des Trois Horloges, où nous sommes, constitue le cœur de Bab El Oued. Attends, je vais laisser passer. Je vais laisser produit passer. Algérien, non? Bienvenue, bienvenue. On voit heureusement de temps en temps un immeuble bien restauré. Nous venons d'arriver dans la basse Casbah. Lorsque les Français occupent Alger, ils veulent absolument la création d'une place d'armes. La place du gouvernement est inaugurée en 1841 au terme de nombreuses destructions, mosquées, palais, rues et 420 maisons. Jusqu'au début du XXe siècle, elle constituera le centre animé de la nouvelle ville coloniale. La mosquée de la Pêcherie, construite en 1660 par les Turcs, est un des rares édifices à ne pas avoir été détruit lors de la refonte du quartier par les Français. Changement de quartier. Le Musée national des antiquités et des arts islamiques, inauguré en 1897, a alors été le premier musée municipal d'Alger. Les sculptures, mosaïques, bronzes, poteries proviennent des nombreux sites archéologiques d'Algérie. La section d'art musulman présente des objets provenant des différentes dynasties arabes et berbères du pays.
Le jardin d'essai du Hama accueille à nouveau du public depuis 2009, après 10 ans d'abandon. Créé en 1832, il a souvent été agrandi, embelli, enrichi d'espèces nouvelles. Il contient plus de 3000 espèces végétales. Bien sûr. Dans une partie plus sauvage, parsemée de nombreuses statues, on peut voir des arbres à lianes et des bassins. Le jardin d'essai est dominé par le musée des Beaux-Arts. De ses terrasses, on a une très belle vue panoramique sur l'ensemble. Plus haut encore, c'est le monument aux martyrs qui domine toute la ville d'Alger. Le monument aux martyrs a été élevé en 1982 pour les 20 ans de l'indépendance du pays. Il est haut de 92 mètres. 3 palmes en béton symbolisent les 3 piliers de l'Algérie nouvelle : agriculture, industrie, culture. De là, un beau panorama s'ouvre sur la baie et les quartiers sud.
Nous voyons ici une des réalisations de l'architecte Pouillon en Algérie à partir des années 50. En face de la baie d'Alger, la grande mosquée souhaitée par le président Bouteflika a été construite à partir de 2012. Achevée en avril 2019, elle est la plus grande mosquée d'Afrique et la troisième plus grande mosquée du monde après Médine et la Mecque. Son minaret, qui culmine à 265 mètres, est le plus haut du monde. La cathédrale du Sacré-Cœur a été inaugurée en 1962. À l'intérieur, la coupole, surmontée d'une rosace, repose sur quatre arcs de béton soutenus par huit piliers. L'autel est en marbre de Carrare. Au fond de la nef, une mosaïque datant de 324 provient de la première basilique de la ville voisine de Schleff. La grande poste est en travaux pour restauration depuis 2015. Construite en 1913, elle est le symbole de l'architecture néo-mauresque amorcée au début du XXe siècle. L'émir Abdelkader, 1808-1883, est une figure de la résistance algérienne contre la conquête française. Le musée national du Bardo a rouvert en 2014 après restauration. C'est une ancienne villa ottomane de la fin du XVIIIe siècle. On y retrouve les éléments traditionnels de l'architecture ottomane. Bois précieux, faïence, fer forgé, cours intérieures, fontaines de marbre. L'escalier d'accès au premier étage. La terrasse du premier étage.
Nous voici au deuxième étage. La Casbah correspond à la vieille ville ou médina d'Alger. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992. Au départ citadelle, bâtie en 1516 par un corsaire turc, la Casbah est devenue peu à peu l'ensemble du quartier autour de la citadelle. Les occupations et aménagements successifs ont fortement endommagé les lieux, en cours de rénovation depuis des années. Les fortifications ont été percées par les Français. En 1818, la citadelle devient le palais du Dey. La mosquée El Barani, qui s'était effondrée, est en cours de restauration. On aperçoit le minaret de la mosquée des Janissaires et, avec son minaret octogonal orné de carreaux de faïence, le minaret de la mosquée du Dey. Nous entrons dans la mosquée du Dey. Perdons-nous à présent dans les ruelles de la Casbah. Ce minaret est celui de la plus ancienne mosquée du XIIe siècle. Le déjeuner a lieu chez l'habitant, en l'occurrence dans la demeure de Samia, notre guide. Il est précédé d'un atelier cuisine. Cette rue délimite les deux portions hautes et basses de la Casbah. Au fond, la synagogue. Ce palais, construit au XVIe siècle, souvent agrandi et transformé par la suite, est devenu musée en 1987. Il renferme de belles collections et permet aussi de découvrir une demeure typique de la Casbah. Thank you.
dans la basse Casbah, la mosquée Ketchawa, déjà restaurée et très remaniée par le Dey Hassan Pacha en 1795, vient d'être restaurée par les Turcs. Bâtie en 1612 dans un style mauresque et byzantin, elle est devenue église en 1832. Elle a été réaffectée au culte musulman en 1962. Le palais des Raïs, bastion 23 du XVIIIe siècle, récemment restauré, est un ensemble de trois palais et six maisons de pêcheurs. Il démontre qu'à l'époque ottomane, la Casbah se prolongeait jusqu'à la mer. À 124 mètres au-dessus de la mer, Notre-Dame d'Afrique domine le quartier de Bab el Oued. Commencée en 1858, construite dans un style néo-byzantin, elle est dédiée à la Vierge. Depuis le parvis de la basilique, très belle vue sur les quartiers nord de la ville et la mer. Avant de quitter Alger, nous passons devant le théâtre, l'ancien opéra d'Alger de 1853, et le café, célèbre lieu de rendez-vous des artistes. Nous voyons aussi d'autres beaux immeubles dans ce quartier. Précédé d'une double escorte, nous effectuons le transfert Alger-Oran, un peu plus de 400 km, par la route de l'intérieur. Le déjeuner a lieu chez l'habitant, dans un village perdu en pleine montagne. C'est l'arrière, c'est pas la nièce, c'est arrière, petite fille de l'émir Abdelkader. Petite fille ou petite nièce? Petite fille. L'activité principale y est l'élevage de moutons et de chèvres. Sur cette plaque, les martyrs du village. On y fabrique des tapis. Sur l'autre flanc de la montagne, on peut voir les restes d'un cimetière turc. De là, on a une belle vue générale sur le village.
À Tlemcen, nous arrivons sur la place de la grande mosquée du XIIe siècle, en plein cœur de la ville. Nous aurons l'occasion de voir de nombreux beaux immeubles datant de l'époque coloniale. La mosquée de Sidi Bel Hassan du XIIIe siècle abrite un musée de la calligraphie, hélas fermé. De nombreux commerçants et artisans sont installés dans ce quartier. Devant la poste se dresse une statue de Ben Bella, un ancien président originaire de Tlemcen. Le méchoir, citadelle construite au XIIIe siècle par les sultans Zianides, est un exemple d'art mauresque et andalou. Elle est devenue plus tard palais royal. L'intérieur et un bâtiment annexe contiennent un musée du vêtement.
Le mur d'enceinte a été restauré. Le parc national de Tlemcen, classé en 1993, protège d'importants vestiges archéologiques et des sites remarquables de la région. Tout ce que nous allons voir à présent en fait partie. Ce sont les ruines de la Mansoura. Au XIIIe et XIVe siècle, le sultan de Fès, venu assiéger la ville de Tlemcen, avait créé un camp militaire ceint d'une muraille. Peu à peu se sont ajoutés une mosquée, un palais, un hôpital. Cité Boumédienne, construite en 1328 par le sultan Mérinide de Fès, possède un porche monumental avec une lourde porte en bois de cèdre recouverte de plaques de bronze. Là se trouvent, sous une coupole richement décorée, deux tombeaux. À droite, celui de Sidi Boumédienne, à gauche, celui d'un savant. Ces ruines sont seulement celles du tombeau d'un marabout mort vers 1300. Les grottes, façonnées il y a 150 millions d'années, ont été creusées dans la roche calcaire du massif de Tlemcen. Les cascades de Lourit s'écoulent dans un petit lac. Le petit pont métallique a été construit par Gustave Eiffel. La ville de Mostaganem, fondée au XIe siècle par les Almoravides, a résisté aux Espagnols au XVIe siècle, puis aux Français jusqu'en 1840. Depuis le belvédère, on bénéficie d'une belle vue générale sur la ville. À droite, les vieux quartiers, aujourd'hui en mauvais état. À gauche, l'ancienne ville coloniale. Le fort turc, créé au XIIIe siècle, puis restauré par les Ottomans au XVIIIe siècle et les Français au XIXe siècle, est aujourd'hui un musée. Autour de l'ancienne église, actuellement mosquée, on peut voir de nombreux beaux immeubles et des dizaines de petits commerces. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.
Non, non, mais celle-là encore, ouais. Là, bien dans la même rue. Oui, oui, de France. Qu'est-ce qu'il fabrique, lui? Les retouches. Ah, des retouches. Les retouches. Les ourlets. C'est bien. Il y a bien de venir en France. Il s'occupe des femmes et lui s'occupe. Ah, ok, allez. Mais je ne veux pas être plus en photo. Voilà, ça c'est la tête. On laisse passer tous les touristes. Le palais consulaire est occupé par la Banque d'Algérie. C'est du balcon de l'hôtel de ville que le général de Gaulle, en juin 58, a prononcé pour la dernière fois « Vive l'Algérie française ». Vive Mostaganem! Vive l'Algérie française! La bibliothèque accueille aussi une association de musique andalouse. Nous déjeunons sur le port dans un restaurant de poissons. De là, nous assistons aussi à une étrange et interminable manœuvre. Petite promenade digestive sur le bord de mer. À l'est de la ville, cet ancien hippodrome n'est plus utilisé comme tel. Il est occupé par un centre équestre. Son responsable présente avec fierté chevaux et poneys et les activités pratiquées avec les jeunes de l'association dont il s'occupe. Le frison. Non, la frison. Thank you.
Cette région possède de nombreux domaines vinicoles. En raison du climat trop sec, la taille pratiquée est dite en godet, avec des branches de vignes basses. Une dégustation permet de découvrir les différents vins produits. Retour vers Oran en longeant la côte. Le front de mer sur 2 km surplombe le grand port d'Oran et conduit au centre-ville. La gare ferroviaire a été édifiée pendant la période française de 1903 à 1913 dans un style mauresque. Le musée national Zabana renferme des collections très diverses allant de la préhistoire aux arts contemporains. Édifié dans les années 30, il présente une façade surprenante avec des colonnes proches du dorique et des frises représentant des scènes mythologiques grecques. Le palais du Bey, l'ancienne demeure du Bey d'Oran, est un palais historique datant de l'ère ottomane au XVIIIe siècle, construit dans un style hispano-mauresque. Très décrépit, il est en attente de restauration. Dans ce deuxième jardin, le pavillon de la favorite. On aperçoit le minaret de la mosquée du Pacha. Ces bâtiments ont été transformés en garnison par les Français
qui ont occupé les lieux jusqu'en 1962. Dans le vieux quartier de Sidi El Ouari se trouve le tambour San José, le départ d'un réseau de tunnels datant du XVIIIe siècle. La porte d'Espagne du XVIe siècle se trouvait à l'intérieur de la Casbah. Elle témoigne de l'occupation espagnole. La route s'élève à présent, offrant de belles vues sur le port militaire de Merzelkébir. En contrebas du fort de Santa Cruz, la chapelle de la Vierge a été construite au XIXe siècle suite à une épidémie de choléra pour apporter la protection de la Vierge aux habitants. Dans les années 50, est ajoutée la basilique Notre-Dame de Santa Cruz pour accueillir des pèlerins de plus en plus nombreux. De là, on a une vue imprenable sur la ville et le littoral. Le fort de Santa Cruz, à 386 mètres d'altitude, érigé par les Espagnols entre 1577 et 1604, était un point stratégique, visible de loin à Oran. Nous regagnons le bord de mer en passant par le secteur des falaises, puis le centre-ville. La place du 1er novembre 1954 est le cœur historique de la ville d'Oran. Au centre se dresse une stèle à l'effigie de l'émir Abdelkader, surmontée d'une victoire ailée. Autour de la place se dressent les édifices coloniaux majestueux, l'hôtel de ville, le théâtre, dans toutes les rues du centre s'élèvent de nombreux immeubles art nouveau ou art déco avec de belles ferronneries. Certains halls d'entrée peuvent surprendre aussi par leur richesse.
La cathédrale du Sacré-Cœur, de style romano-byzantin, date du début du XXe siècle. Depuis 1984, elle accueille une bibliothèque. Non loin de là se trouve le palais de justice. Autrefois maison de l'agriculture, cet édifice est devenu palais de la culture. En face de l'ancien quartier juif, aujourd'hui délabré, l'ancienne synagogue, inaugurée en 1918, était la plus grande synagogue d'Afrique. Elle est à présent transformée en mosquée. Une dernière promenade sur le front de mer avant un départ imminent. L'activité est intense sur le port et le long du boulevard, il est encore temps d'admirer de beaux immeubles. L'Algérie souhaite relancer le tourisme et la population en est ravie. Nous, touristes, sommes à tout instant gratifiés d'un message de bienvenue. Bienvenue chez nous. Merci, madame. Vous êtes les bienvenus. Soyez les bienvenus en Algérie. Je suis contente de votre visite. Merci beaucoup. Les atouts de l'Algérie ne manquent pas sur le territoire. Si un certain nombre de monuments, de sites archéologiques ou historiques ont été restaurés avec de beaux résultats, tous n'ont pas eu cette chance. Trop d'édifices, de lieux sont négligés, mal entretenus, parfois même délabrés, prêts à s'écrouler. Il serait souhaitable dans l'avenir que le patrimoine soit davantage mis en valeur,
afin de devenir pour les touristes plus attractifs.